Amen. Si tu es content pour ce moment, acclame Jésus pour sa vie. Si tu es content pour ce moment, acclame Jésus pour sa vie. La gloire, le tout puissant, le miraculeux. Il est capable de Jésus. Dieu, ma joie est grande ce matin parce que le réveil a beaucoup souffert à Calavi depuis trop d'années et le réveil est demeuré confiné. Et le bon et mon ouvert guégué au Calavi et Tifi Loko. Et comme le Seigneur, il est le Dieu des grands miracles. Un bien-aimé qu'il a choisi pour dire l'église de Calavi. Le réveil à Calavi, le site sur lequel on va m'adorer. En esprit et en vérité, à Calavi,
je t'ai choisi pour que tu trouves l'emplacement. Et celui qui a reçu ce message de la part du Seigneur, il n'a pas attendu. Aussitôt, il a décidé d'agir. Et il a offert. Il a offert ce site, cette parcelle qui lui appartient. Il a offert pour dire je le donne. C'est pas qu'il a prêté et récupéré après. Il a dit je donne. Et vous pouvez voir que c'est en plein cœur à la vie. C'est un emplacement qui a beaucoup convoité. C'est une zone stratégique. Parce que il y a des grands travaux administratifs qui sont en cours. La voie qui passe devant nous est déjà en chantier. C'est une grande voie. Il y a le tribunal qui est quelque part là. Il y a le grand hôpital international. Le chic là, international là, est là. Et il y a encore une zone administrative qui est en cours là. Donc c'est une zone hautement viabilisée. Donc si on va marchander ceci pour payer en plein cœur comme ça de Calavi, ça va être beaucoup de millions. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc si on va discuter le prix pour payer, c'est beaucoup de millions qu'on va dépenser. Et peut-être même qu'on ne pourra pas. Parce que quelqu'un qui a ce site-là, et qui sait qu'il y a des travaux en cours, il sait tellement que lui-même aura des projets personnels pour mettre sa parcelle en valeur. Peut-être qu'il peut construire des chambres à louer, tout ça là, des boutiques même, c'est un emplacement de boutiques. Mais il a regardé tout ça. Il a multiplié tout ça là à zéro. Il a jeté coup d'œil sur le passage qui dit vanité des vanités, le livre d'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Et notre grand investissement, c'est au ciel. Et il a préféré, ce frère a préféré investir au ciel. Il a considéré tout ce qu'il peut gagner ici comme vanité. Et c'est Jésus-Christ qui fait ça. Amen. Si Jésus-Christ n'a pas transformé son cœur, il ne peut pas obéir à cette voix du Seigneur qui lui a parlé. Et regardez, sur le site, il avait déjà un projet, il a annulé le projet. Il a enterré ça. Et il avait déjà des briques. Beaucoup de briques. Et il a dit, non seulement je donne le site pour accélérer, pour que les choses bougent vite, il dit je donne encore les briques qui sont sur le site. Jésus! Donc, lui, il est pressé
Te voir s'accomplir la vision que le Seigneur lui a donnée. C'est-à-dire, il veut voir l'église. Jésus revient. De Calavi, commencez par prendre vie ici. Amen. Et nous bénissons vraiment le Seigneur. Et donc, aujourd'hui, le Seigneur nous a permis d'être ici pour lancer les, officiellement les travaux. Alléluia. Amen. Pour lancer les travaux. Bon, et pour tout projet de construction, on a forcément besoin de l'eau. Donc, aujourd'hui, merci. On va commencer les travaux par le forage. Alléluia. Donc on va commencer les choses par le forage. Et quand on va mettre, on va faire le forage, on aura suffisamment de l'eau sur le site. On ne soufflera plus de l'eau. Et à côté maintenant, après le forage, on va faire maintenant le toilette. Donc on va faire le WC et tout ça. Et ça nous permettra aussi d'avoir du sable pour lancer les travaux de construction même. Le temple même sur lequel on va rester pour adorer Jésus. Pour adorer le roi des rois. Amen. Pour adorer le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Pour adorer le lion de la tribu de Juda. Pour adorer celui qui règne d'éternité en éternité. Alléluia. Pour adorer celui qui ne change pas. Amen. Pour adorer celui qui est assis sur le trône. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est cette bonne nouvelle qui nous a amené ici. Alléluia. Amen. Donc, nous allons prier. Nous allons prier pour consacrer à nouveau le site pour confier les travaux entre les mains du Seigneur. Pour que les anges même descendent pour venir travailler ici. Amen. Parce que quand les hommes travaillent, ça peut avoir des problèmes. Mais si les anges même descendent pour travailler, c'est que c'est parfait. Donc nous ne voulons aucun obstacle sur le chantier. Donc tu vas prier maintenant. Tu vas remercier le Seigneur. Une fois encore, Seigneur, merci pour cette grâce que tu as faite à l'église de Calavi. Merci pour cette grâce. Remercie le Seigneur. Merci à Jésus. Merci Seigneur, nous te remercions, Papa. Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur pour ce cadeau. Seigneur, merci. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur, merci. Seigneur, merci, merci. Ce grand cadeau, l'église de Calavi, Seigneur, afin que l'église de Calavi soit disposée pour te louer, pour t'adorer. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ce réveil, Seigneur. Merci, Seigneur, afin que ce réveil soit une réalité. Merci, Seigneur, reçois la gloire. Merci, reçois l'honneur. Reçois la magnificence. Que tout l'honneur te soit accordé. Il est bon.
Tu vas prier. Tu vas confier. Les ouvriers entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur les protège. Que le Seigneur leur donne la sagesse et l'intelligence pour réussir tous les travaux qu'ils vont effectuer sur ce site. Et que aucun obstacle, aucun incident, aucun accident ne soit noté en ce lieu. Prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu. Mais celui qui bâtit sur le roc, sur la pierre vivante, quel que soit le vent, quelle que soit la tempête, quelle que soit la tornade, cette maison demeure éternellement. Oh, dans Zacharie 4, verset 7, il est écrit: qui es-tu? Grande montagne devant Zorobabel. Tu seras aplani. Tu vas prier. Tout agent des ténèbres qui va tenter de ralentir les travaux de ce chantier, qu'il soit frappé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare frappé. Seigneur Jésus. Toutes mes énergies.
Et que les méchants disparaîtront de la terre. Seigneur Jésus, au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons prié. Je continue. Aidez. Il posera la pierre principale au septième et au milieu des acclamations. La pierre principale sera posée ici. Au milieu des acclamations. Au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La main de Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ. Les mains de Jésus-Christ ont fondé cette maison. Alors Jésus-Christ. Et ces mains l'achèveront. Et le monde entier saura. Que Jésus-Christ. Que Jésus-Christ. Il est le roi des rois. Alléluia. Dans cette acclamation, tu vas prier maintenant. Tu vas te demander que cette maison, que ce chantier, que cette église, que Jésus-Christ soit la fondation. Que Jésus soit la fondation de ce lieu. Que Jésus-Christ soit la fondation. Nous acclamons pour tes grands bienfaits, Seigneur, que cette maison soit ta fondation. Que cette maison soit une fondation sommet qui conduit cette église. Seigneur Jésus, c'est ta main qui conduit cette église. C'est ta puissance qui conduit, c'est ta sagesse, c'est ton intelligence qui conduit cette église. C'est ta connaissance, Seigneur Jésus, qui conduit cette église. Seigneur mon Dieu, mon roi, oui, cette église, Seigneur Jésus, ton âme, en toute chose, en ton pays. Et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher. Et quand viendra la tempête, ma maison. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront. Le malin se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. La pluie et le vent souffleront. Le malin se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. J'ai bâti sur le rocher. Et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison. Tu vas prier. Tout ce qui est enterré, tout ce qui est enterré.
enterré. Que ça soit spirituellement. Que ça soit physiquement. Tout envoûtement. Nous devons enterrer en ce lieu. Vous tentez de maudire ce lieu. Que le sang de Jésus neutralise cela. Le sang de Jésus détruit tout cela. Je prie au nom de Jésus. Le chantier a besoin de l'argent. C'est beaucoup d'investissement. On va faire le forage. On va faire les toilettes, les WC. On va faire le temple même. On va faire le bureau des serviteurs. L'homme de Dieu qui doit rester ici, il doit avoir forcément un dortoir là où il doit rester. Tout ça, ça a besoin de l'argent. Nous allons prier. Seigneur, suscite les corbeaux. Comme tu as suscité corbeau. Mais de nourriture. À Élie dans le désert. Seigneur Jésus. Suscite des bonnes volontés. Suscite des corbeaux. Pour soutenir ce chantier. Pour soutenir cette œuvre. Pour que ton église pousse de terre. Pour accueillir les arbres. Afin de les préparer pour le ciel. Seigneur Jésus. Suscite. Touche des cœurs. Suscite des bonnes volontés. Des gens qui ont le don de libéralité. Des gens qui veulent voir le royaume des cieux rempli. Et l'enfer se vider. Seigneur, suscite-les pour soutenir ce chantier. Pour soutenir cette œuvre. Prie au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, mon roi, toi qui nous as dit ta parole, nous demandons à Seigneur Jésus, et nous demandons Seigneur Jésus, afin d'apporter Seigneur Jésus, les moyens financiers, les ressources matérielles, les hommes, et tout ce qui est nécessaire, des hommes généraux, des hommes de génération, des hommes de bureau, des hommes de tension, des hommes architectes, des hommes de Jésus, il est suffisant pour l'accomplissement, il est suffisant pour l'avancement. Nous allons prier. Toute personne qui apportera
un centime d'autres personnes qui apportera même une brique pour dire voici ma part pour le chantier de l'église Jésus revient de Calavi. Seigneur, que son nom soit écrit dans le registre de souvenirs au ciel. Et que ça soit écrit qu'il a apporté pour le royaume des cieux. Donc, prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui vont écouter cet appel et qui vont amener quelque chose pour bâtir la construction ici. Dans le livre de souvenirs au ciel. Qu'il ne soit jamais oublié pour cette œuvre qu'il va accomplir. Quel que soit le mandat, quel que soit le matériel, quel que soit l'offre. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons encore prier. Que la gloire de Jésus remplisse ce lieu. Amen. Que la gloire de Jésus remplisse ce lieu. Amen. Prie au nom de Jésus. Que ta gloire La gloire de l'Éternel est ici. Elle est là. Elle est ici. Elle est ici. La gloire de l'Éternel est ici. Alléluia. Il y a la victoire partout. Les enfants de Dieu s'assemblent. La gloire de l'Éternel est ici. Je la vois. Elle est ici. Elle est ici. La gloire de l'Éternel est ici. Alléluia. Il y a la victoire partout. Les enfants de Dieu s'assemblent. La gloire de l'Éternel est ici. Je la sens. Elle est ici. Elle est ici. La gloire de l'Éternel est ici. Alléluia. Il y a la victoire partout. Les enfants de Dieu s'assemblent. La gloire de l'Éternel est ici. Je la vois. Elle est ici. Elle est ici. Oh. La gloire de l'Éternel est ici. Alléluia. Il y a la victoire partout. Les enfants de Dieu s'assemblent. La gloire de l'Éternel est ici. Amen. Amen. Seigneur Jésus, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu saint, Dieu saint, Dieu saint, Dieu saint, Dieu saint, Dieu très 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 saint. Nous élevons ton nom, Seigneur. Nous magnifions ton nom, Seigneur. Nous glorifions ton saint nom, Seigneur. Seigneur, tu es digne de gloire. 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 Seigneur, ce que
nous allons souffrir pendant des années pour obtenir, pour l'avoir. Seigneur, tu as pris quelques temps pour nous le donner gratuitement. Oh Seigneur, tu es magnifique Dieu. Seigneur, tu es magnifique Dieu. Seigneur, tu es magnifique Dieu. Oh, tu es Dieu magnifique. Tu es Dieu merveilleux. Seigneur, ce frère que tu as utilisé pour faire cette grâce à ton église. Seigneur, bénis son âme. Seigneur, bénis sa vie. Tu le bénis spirituellement. Tu le bénis physiquement. Tu le bénis matériellement. Tu le bénis financièrement. Seigneur Jésus, que tout ce que sa main touchera porte des fruits. Porte des fruits. Porte des fruits. Porte des fruits. Seigneur, tu le bénis. Et tu bénis les fruits de ses entrailles. Seigneur Jésus. Seigneur. Que son nom soit écrit dans le livre de vie au ciel. Que son nom soit écrit dans le livre de vie au ciel. Seigneur, qui ne regrette jamais d'avoir accompli cette œuvre. Qui ne regrette jamais d'avoir offert un site pour la gloire de Jésus. Seigneur, remplis son cœur de joie. Remplis son cœur de paix. Remplis sa vie de toute grâce. Seigneur Jésus. Tous ceux qui vont accompagner ce projet, cette construction. Seigneur Jésus. Bénis-les également. Bénis-les en abondance. Même celui qui donnera un centime pour dire voici ma part pour le chantier de gloire que Jésus revient à la vie. Seigneur Jésus, bénis-les. Seigneur, bénis-les. Seigneur, bénis-les. Celui qui apportera un paquet de ciment. Même celui qui apportera un voyage de sable. Seigneur, bénis-les. Seigneur Jésus, bénis-les. Seigneur Jésus, bénis-les. Seigneur Jésus. Par le pouvoir que tu nous as donné. Par le pouvoir que tu nous as donné. Par ce pouvoir. Nous proclamons maintenant que le chantier. Pour l'église, Jésus revient de Calavi. Est officiellement ouvert. Officiellement ouvert. Amen. Ouvert au ciel. Amen. Et c'est ouvert sur la terre. Amen. C'est ouvert spirituellement. Amen. Et c'est ouvert officiellement. Amen. Que les anges descendent maintenant pour venir travailler ici. Amen. Pour que le chantier avance. Amen. Pour la gloire de Jésus. Amen. Merci, Papa. Amen. Au nom de Jésus, nous avons Jésus prié. Amen. 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 Jésus vous aime. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse cette œuvre. Amen. Que tout se passe très bien. Amen. Mettez-vous dans place dans le fia. Amen. Mettez-vous dans moins fort le fia. Amen. Mettez-vous dans bata le fia. Amen. Que Jésus bâtisse nous chanter. Amen. Que Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Alléluia.